Salut, moi c'est Léo, bienvenue dans le quatrième épisode de La Séance est levée, un podcast où une fois par mois je reçois un nouvel invité pour regarder avec lui un film de son choix et en parler à chaud juste après. Aujourd'hui, après Clément dans le premier épisode, je reçois un autre de mes anciens camarades de classe d'école de cinéma. Pierre a une formation de monteur, est aujourd'hui technicien audiovisuel et régisseur. C'est un garçon jovial et à peu près aussi bavard que moi, donc ça promet un épisode endiablé. On l'écoute tout de suite pour sa bande-annonce. C'est la bande-annonce. Je viens avec Les Affranchis de Scorsese. Voilà ce grand film des années 90 sur les gangsters new-yorkais. Voilà. Et du coup, pourquoi t'as eu envie qu'on se le regarde ensemble pour le podcast ? J'ai eu envie parce que j'ai eu envie de le redécouvrir un peu, ouais. De toute façon. Je l'ai vu il y a pas mal de temps. Et c'est un film qui est assez intéressant pour le montage, pour moi. Parce que j'en fais plus, mais j'ai toujours un peu le regard du squelette des films. Et je trouve que c'est un film très speed au niveau du montage, et c'est assez agréable. Donc j'avais envie de revoir un peu tout ça. J'avais envie de sourire, parce que je sais que c'est un film qui me fait beaucoup marrer, moi. Voilà, oui, et bah, puis... Joe Pesci, exactement. Et puis j'ai toujours aimé l'univers des gangsters. J'ai toujours aimé les gens qui se font du pognon d'une autre manière. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Et voilà, j'ai découvert un peu le cinéma avec ce film, moi, quand j'étais jeune. Voilà. Moi, c'est vraiment, tu disais que tu l'as vu il y a quelques années. Moi, c'est drôle quand tu m'as dit que c'était ça. Oui. C'est que je l'ai revu il y a 6 mois ou 3 mois, enfin, je sais plus, mais il y a pas longtemps. En disant, vas-y, je vais me refaire Les Affranchis. Ah, donc t'as la mémoire des films un peu. Okay. Donc, ouais, j'ai un peu le film en mémoire. Pour le coup, tu vois, tu parles de rythme et tout ça. Ouais. C'est drôle, c'est-à-dire que moi, je le trouve, il est exceptionnellement bien monté, le film, il n'y a pas de souci. Mais je le trouve plus si rythmé que ça, par rapport à ce qui se fait maintenant. Alors, peut-être que je vais avoir ce regard-là en le revoyant, ouais, c'est possible. Ouais. En tout cas, pas survitaminé. Enfin, c'est pas un Guy Ritchie du tout. Non, en vrai, ça prend un peu du temps. T'as raison. Et c'est agréable, hein, mais c'est... Et puis, notamment, il y a ce truc, bon, on en parlera après la séance, mais dans les trucs iconiques de ça, les arrêts sur image pour marquer un peu les ellipses. Ouais, tout à fait. C'est fou, moi c'est le seul film où j'aime bien l'arrêt sur image, je crois. Ah oui, c'est vrai que... Pour moi c'est vraiment un truc de fin de téléfilm allemand. Enfin je dis allemand, mais c'est pas contre les Allemands. Hein, mais c'est... Non, il n'y a pas de problème, on n'est pas des Allemands. Hein. Mais ouais, j'ai pas d'images qui me viennent d'arrêt sur image cultissime comme ça en tête. Mais oui, c'est vrai qu'il y a... Moi c'est la voix off du film qui m'avait beaucoup marqué. Je me souviens qu'il y a... C'est Henry Hills, le perso principal, qui parle beaucoup. Et pour en revenir sur le montage sur Vitaminé, qui ne l'est pas là pour le coup... C'est quand même un film qui montre 30 ans, quoi. Ouais. Donc, effectivement, il ne peut pas être non plus super rapide comme un Guy Ritchie qui est dans un espace beaucoup plus clos, de temporalité beaucoup plus restreinte. Mais sur 30 ans, on va quand même vite, je trouve. Oui, en vrai. 2h30 de film, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Bah, de toute façon, on en reparle après, une fois qu'on se l'est remis en mémoire un petit peu. Mais après, ce n'est pas un reproche que je fais au film. Hein. Je pense que c'est c'est un de mes films préférés. Ouais. Non, il y a un autre truc, c'est ce que je te disais un peu en micro avant, de la pression un peu de parler des Affranchis, parce qu'en plus d'être un grand film globalement très acclamé, et cinéphile, et pas que, enfin c'est pas que les critiques seuls dans leur coin, c'est aussi publiquement assez acclamé, et notamment un film hyper étudié, alors pas que universitairement maintenant, mais tu vois, je pense... à la vidéo de Karim Debbache et de l'équipe de Chroma dessus, qui est hyper bien. Et du coup, moi, j'ai la petite pression de... Putain, faut pas dire une connerie, quoi. C'est les affranchis. C'est vrai que c'est un peu sacré, quoi. Faut avoir un autre truc à dire, faut que ce soit intéressant, putain, c'est compliqué. Pas forcément, est-ce qu'on peut juste surfer sur ce qui a déjà été dit ou simplement être naturel? Possiblement, oui. Mais justement, moi, c'est une première dans le podcast. C'est un film... Même avant de le voir, je l'ai vu à 12 ans, donc non, peut-être pas, mais avant de le revoir un peu plus adulte, c'est un film où t'as déjà des analyses, déjà des références plus tard. Et moi, ça m'interroge toujours là-dessus. Qu'est-ce que, de ce que j'en pense, vient de moi, et qu'est-ce qui vient de ce qu'on m'en a dit ? Je vois ce que tu veux dire, effectivement, ouais. Je pense que je vais revenir beaucoup aussi sur ma deuxième analyse, va être plus... je vais peut-être démonter le film et trouver ça super nul, quoi, c'est sûr. Après une deuxième. Il y a peu de chance. Non, mais je te préviens. Mais ça fait chance. Je crois que ça fait plus de 6-7 ans que je ne l'ai pas vu. Ah oui. Ouais, ça fait très longtemps. Ouais. Donc il n'est pas très frais. Et je l'ai vu vers mes 12 ans, un peu comme toi, pareil. Eh bien écoute, parfait. Nous, on se regarde ça et puis on se retrouve juste après. J'en profite pendant qu'on regarde le film pour vous rappeler que le principe même de ce podcast induit d'énormes spoilers. Si ça vous embête, il faut s'arrêter là et aller voir le film. Vous revenez juste après. Évidemment, sinon, c'est pas du jeu. Pour les autres, ceux qui s'en fichent ou qui l'ont déjà vu, je vous fais un petit résumé, histoire de se rafraîchir la mémoire. Attention, le spoil commence maintenant. Les Affranchis retracent sur 30 ans la carrière de gangster d'Henry Hill. Adolescent dans les années 50, fasciné par les mafieux de Little Italy, il rêve de devenir quelqu'un,
et intègre la bande de Polici Cero. De petits coups de main au petit Larsin, il grimpe les échelons et apprend les deux règles sacrées du milieu. Ne jamais balancer et garder sa bouche fermée. Adulte, toujours au service de Polly, et désormais allié à Jimmy Conway et Tommy DeVito, l'un braqueur intrépide, l'autre flingueur compulsif, Henry prend du galon et mène la grande vie entre Club UP et vol record à l'aéroport JFK. Il rencontre Karen, qui deviendra sa femme, elle aussi fascinée par cet univers électrique, violent mais plein de vie. Un long passage en prison l'oblige à dealer pour sauver sa tête et sa famille. Sorti, il continue son trafic malgré l'interdiction de Polly et consomme de plus en plus. Entre un Tommy qui tue dès qu'ils se sont insultés et un Jimmy paranoïaque qui fait disparaître ses complices dès qu'ils attirent l'attention, Henry s'enfonce dans la violence. Mégalomane, le trio se croit tout puissant, mais est ramené à la réalité quand la famille assassine Tommy pour venger un capot qu'il avait tué dans un accès de colère. Quand il est coincé pour trafic, le milieu lui tourne le dos et cherche à voir sa tête de peur qu'il ne parle. Henry s'y résout et rejoint le programme de protection des témoins. Relogé sous une nouvelle identité, il finit en plouc, engoncé dans la vie ordinaire qu'il a toujours méprisée. La séance est levée. Eh ben, c'est toujours aussi bien. Je suis très content d'avoir vu ce film et tous ces personnages, cette ambiance et ces musiques. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Ouais, je suis très content. Ça m'a mis en joie, putain. Ouais. Ouais, il a un côté assez jouissif. Mais bah, je vais faire un parallèle tout de suite. Mais tu vois, je trouve que c'est un peu l'inverse de Scarface, de De Palma. Bon, c'est pas moi qui ai inventé cette comparaison. Ouais. Mais je trouve que Scarface de De Palma est très angoissant pendant longtemps et finit jouissif en gros gunfight. Ouais. Et là, c'est l'inverse. Ouais, ouais, c'est terne. C'est jouissif assez tôt et assez. Alors que ces mecs sont horribles et détestables et flippants. Et en fait, c'est plus tu les côtoies, plus c'est des salopards. Ils sont sympas, ouais. C'est vrai que dans ce film-là, on est très vite dans la famille italienne avec tout ce que ça incombe, alors que dans Scarface, je crois que c'est un Cubain au départ, émigré, il se fait petit, il y a la tronçonneuse, c'est hard et tout ça. Et et c'est quand même la descente d'un grand gangster, quoi. La finalité est la même, mais c'est... Ouais, exactement, c'est avant Scarface, ça, c'est 80. Scarface, c'est un peu avant. Ouais. Il se nourrit un peu de ça en réinventant quand même, quoi, ce Goodfellas. Il y a plein de trucs à dire. Hein. Bah déjà, c'est ce qu'on se disait juste après. Hein. Il est incroyablement dense, que ce soit en termes de personnages, que ce soit en termes de choses qui se passent. Tu vois, c'est ce que je te disais juste avant. C'est en termes de narration, le film pourrait durer 40 minutes de moins. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont a priori inutiles, mais pas du tout ennuyantes ou quoi que ce soit. Typiquement, il doit y avoir une heure de film sur la bouffe. Ah oui, tu mettrais une heure, toi. Je pense qu'il y a une heure de film. Non, mais je dis pas, il faut les enlever. Je pense qu'il y a une heure de film où ça parle que de bouffe. Bout à bout. C'est un film très italien. Hein. On comprend que ça soit Scorsese qui l'ait fait, quoi. Ça parle de bouffe et on voit des dîners et des déjeuners et des cabarets et des belles robes et des belles fringues. Ça raconte aussi tout l'ostentatoire des années 60 de ces gangsters italo-américains qui sont c'est comme il dit à la fin du film, quoi. Dès qu'on était ric-rac, on n'avait plus rien, on volait, on empruntait, ils sont tout le temps dans l'opulence de... C'est super excitant, hein, j'adore, moi. Ça ne dure pas, ça ne peut pas durer, c'est pour ça que c'est excitant aussi, quoi. C'est la vie condensée, quoi. C'est le côté pirate, quoi. Ouais, voilà, exactement, tu peux pas me faire plus plaisir en disant ça, c'est le côté pirate. Parce qu'au fond, c'est un peu ça, c'est des pirates. Ouais. C'est, on prend notre code d'honneur à nous, et on fait avec. On l'impose. Mais en même temps, moi, c'est ce que je trouve chouette aussi, c'est un film qui te dit, en vrai, ce code d'honneur, il vaut pas grand-chose. Non, parce qu'ils les balancent tous à la fin, quand même. Ouais, mais même, ils les balancent tous parce qu'ils allaient le tuer, parce qu'en fait... Oui. Même eux ne respectent pas. Les uns les autres, personne ne respecte. Ouais. On fait des malins, on a des grandes bouches, on a des grands discours, mais en vrai, quand ça vient sur nos intérêts à nous, on arrête tout. On élimine, quoi. Ouais. C'est juste des gros bourgeois qui ne respectent pas la loi. Hein. Ouais. C'est une aristocratie, on va dire. Mais oui, effectivement. C'est mon côté marxiste. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Le film montre aussi ça. C'est vrai que c'est du vent, c'est... La première partie du film, où on est dans la décennie 50, qui arrive doucement vers milieu 60, on y croit quand même. Hein. Bah on dit que c'est la famille. C'est la famille. Que c'est la grande vie, que tout le monde s'aime. Voilà. Et on n'est pas que... C'est là que c'est un film... Que
original aussi parce qu'on a aussi le point de vue de Karen, c'est la seule qui a une voix off et qui raconte, elle, de son point de vue, hein, qu'en fait, tout le monde se connaît, voilà, Henri, on dîne avec les mêmes personnes tout le temps, on déjeune avec les mêmes, on sort avec les femmes des autres, nanana. Et c'est un entre-soi qui est sûrement très documenté, très référencé, parce que Sorcès, il a vraiment grandi dans Little Italy, vous voyez tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il voyait depuis sa fenêtre. C'est très référencé, on voit bien que c'est sûrement très réaliste, quoi. Bah, en plus, c'est adapté d'un bouquin qui s'appelle The Wise Guys. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, donc le vrai perso, Henry Hills, on a le vrai perso, c'est son... Ouais, oh, c'est... Bon, après, c'est très probablement romancé un peu. Bien sûr. Mais c'est tous les vrais noms, des vrais mafieux, des machins. Ouais, c'est ça, ouais. Et je reviens sur cette idée de... Bah, je ne sais plus si on en parlait tout à l'heure, mais... Moi, je trouve que c'est quand même rapide, mais là où je reviens un peu sur ce que je disais, le montage, j'entends, c'est qu'en fait, c'est quand même rapide du début jusqu'au milieu, quoi. Après, il y a un temps qui change un peu vers les milieux 70, là, où Henri va tomber en tôle avec les trois caïds, ouais. Là. Enfin, il y en a plusieurs, mais ils sont que 3-4 dans la même tôle. Et on voit que c'est un peu là où ça dégringole, ça va moins vite. Il est déjà au sommet, quoi. Le braquage de la Lufthansa, c'est le top. Et après, ils veulent brouiller les pistes. Et puis, en fait, lui, il va dans la cam, mais c'est ce que voulait surtout pas Paul Cicero, quoi. La mafia, elle veut pas que tu touches à la cam. Et ça va moins vite. Et j'avais un souvenir passé de... Moi, j'étais resté dans les années 60, quoi. C'est ding, 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 c'était le cabaret. J'étais resté dans ce truc, dans cette... Et ce que j'ai en tête quand je pense à ce rythme, c'est le plan séquence quand on va au restaurant. Quand on rentre dans le cabaret avec Karen. Voilà, on fait pas la queue, ça prend trop de temps, on s'en fout, on passe par la cuisine, on met un petit billet dans la poche de tout le monde au passage. J'adore ce truc, quoi. Et on est dans le point de vue de Karen, on voit comme en fait c'est très facile dans ce milieu d'accéder, d'avoir une table sans même réserver. Et t'as Bobby Vitton qui chante pour toi, vrai chanteur des années 60 d'ailleurs. Et ça, j'aime bien cette ambivalence entre les deux points de vue. C'est cool, on n'a pas que le point de vue d'Henry Hill. Tu vois, Scorsese essaye d'être un peu plus large comme ça. Je trouve ça bien, quoi. Ça amène un petit peu plus de... Ben, c'est-à-dire qu'en fait, elle, en étant totalement extérieure à ça, ouais. Même si donc, son trajet, ça va être de s'y faire très bien et finalement de ne pas vivre heureuse dedans. Ouais. Mais elle épouse le truc. Hein. D'être au début mal, de s'y faire très bien et de repartir. Ouais. Oui, elle le quitte à la fin dans les cartons de fin. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que le fait qu'elle arrive là-dedans, ça nous aide à se rendre compte à quel point c'est absurde. Exactement, voilà. Et c'est là où le génie... Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est là où le réalisateur est bon, quoi. C'est qu'on va te mettre un autre point de vue pour que tu crois encore plus à... Enfin, moi, je suis totalement séduit par ça, quoi. Ouais. On y croit à fond, quoi. Et puis... Bon, après, c'est très personnel, mais moi, j'ai un énorme fantasme des années 70. Et on commence avec les Cadillac un peu fin 50-60. Après, on arrive vers ce côté satin des années fin 70-80. Et puis après, ils finissent tous habillés en cuir là, à la fin, où elle est avec De Niro qui essaye de lui tendre un piège un peu. On est dans les années 80 total, elle est habillée en cuir noir. Et eux, ils vieillissent un peu, les bonhommes, on les voit un peu vieillir. Tu vois, lui, il a des lunettes... Il a un peu une tête de con, ils perdent tous un peu de leur superbe. C'est très bien fait, ça, le temps qui passe chez ces gaillards. Il y a aussi ce truc-là, ce que j'avais moins remarqué que le temps. Il y a un détail de tout, quoi. C'est très détail, c'est très... C'est un film dingue, hein, quand même. Il n'y a rien qui est laissé... tout est maîtrisé, quoi. Et c'est long, quand même, hein, Léo. 2h30, putain. Mais pour raconter tout ça, honnêtement, moi, je voudrais... Je voudrais ce film-là, mais avec The Irishman, quoi. Tu vois, la suite, pardon, un petit peu de ça, mais un film qui dure 3h30, 4h, quoi. Je l'ai pas vu, moi, encore, The Irishman. Ouais, c'est... Faut que je m'y mette. Ouais, c'est autre chose. C'est un film un peu plus fleuve. Tu sais, moi, je trouve ça intéressant. Tu vois, tu dis c'est long. Bon, oui, effectivement, 2h30, encore qu'aujourd'hui, on est... Je pense qu'à l'époque, c'était plus rare des films de 2h30 qu'aujourd'hui. Oui. C'est là où je te dis, je trouve que la densité, elle est pas excessivement sur le montage. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus... C'est vrai. Dans chaque plan, il se passe 243 trucs. Très juste, ouais. Il y a des détails de tous les côtés. Ouais. Ah, c'est chorégraphié. Ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il prend son temps pour nous montrer un truc épileptique. C'est vrai, ouais. Et c'est paradoxal. Alors, mais, oui, c'est ça. Mais alors qu'aujourd'hui, on te ferait 17 plans en 8 secondes. Ouais. Et on te montrerait tout le monde. Exactement. C'est un peu le génie de cette époque, un peu, je trouve, effectivement, d'arriver à jouer sur les deux choses comme ça. Effectivement, c'est... Tu vois, aujourd'hui, et même, je me dis, tu fais la même chose, et en même limite avec le même scénar.
avec y compris des bons réalisateurs d'aujourd'hui, hein, je pense, je sais pas, un James Gunn, tu vois, typiquement le plan séquence où on te présente tout le monde, ouais, il serait vachement plus le même cadre mais avec 17 personnages différents, en 30 secondes t'aurais eu 30 ouais. personnages, c'est ouais. son nom. Ouais, ouais. Là, c'est quand même un plan de un quart d'heure, alors il n'y a pas que, ouais, ouais, bien que sûr. Les personnages, mais il y a 3 minutes ouais. sur lui c'est machin, voilà. lui c'est et machin, on passe comme et elle ça, c'est machin. Ouais. Ouais, ouais. Et finalement on prend son temps ouais. pour mettre autant de choses dedans. Quand même, c'est vrai. Ouais. Tu vois, sur chaque personnage dont on présente le nom, sur ce plan-là, ouais. et ben, on a quand même, même si on ne nous dit pas le nom dans la voix off et tout ça, on a quand même sa femme, ses fringues, le pote à côté ouais. Avec qui il se marre, le machin. Il est hyper, je le trouve pas. Je le trouve pas rythmé beaucoup, je le trouve hyper rempli. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis en plus, ils ont deux prénoms tout le temps pareils. Quoi. C'est Jimmy ou Pete, ou je sais plus. Enfin, Pete et ouais, un autre. Ça, c'est au mariage ouais, où ouais. Tous les 30 personnes ils s'appellent Pete. Ouais, ouais. Ah oui, non, toi, tu parlais plutôt un peu avant ça. Oui, les moi, scènes je parle de présentes. Du cabaret. Oui, effectivement. Ouais. Mais en fait, c'est un peu les plans sont à peu près c'est même. Un peu enfin, pareil c'est, ouais c'est un peu des... pareil c'est juste que là ils se marient dans ce que je faisais allusion moi c'est qu'ils se marient qu'on est un peu plus ça y est elle fait partie de la famille quoi et j'avais cette phrase moi qui m'est revenue que j'ai dit pendant le film là ça t'a fait sourire parce que moi j'étais avec mes potes j'ai quelques potes de la bande qui ont grandi avec les affranchis comme moi. Et on avait cette phrase où, et c'est ce que tu disais en préambule, les arrêts sur image, comme ça, il en fait plein, j'avais oublié, il y en a plein. Arrêt sur une tronche, et ben non, en fait, voilà ce qui se passe, tac, une explosion, machin. Et là, quand il dit, one day some kid from the neighborhood carries my mother's groceries, avec les potes, on était tous là, chacun disait la phrase et on terminait la phrase de l'autre. Et on adorait parce que c'est un peu naïf, hein, il le dit un peu de ses points de vue de ses 16 ans, quoi. Mais. Arrêt sur image, explosion, arrivé dans ce monde-là. Non, moi, on porte les courses de ma daronne juste par respect, c'est tout, quoi. Et je trouve que ça englobe bien, même si c'est faux, parce qu'encore une fois, c'est des paroles, c'est tout ça, c'est bidon. Mais ça raconte sa naïveté à lui. Mais en fait. Exactement, ouais. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est son arrivée dans le monde. Avec ces deux personnages-là, Karen et Henri, ouais. C'est qu'ils sont hyper naïfs. Ouais, finalement, oui. Ouais. J'avais pas vu ça. En vrai, ils croient à tout. Et c'est là où, après, c'est un peu... traditionnel dans le film de gangster ouais. Que le film de gangster ouais. soit un parallèle du rêve américain ouais. mais c'est vraiment un rapport à l'American Dream. Exactement. Ouais, ouais. On prend tout, on gobe tout ouais. et en fait à la fin on perd. Pour la désillusion, ouais tout à fait ouais. C'est, en fait c'est aller jouer au casino ouais. enfin, tu vois, casino Scorsese voilà. Exactement. Non mais c'est extrêmement bien écrit quoi, pour ça aussi et pour continuer dans ton analyse c'est vrai qu'après voilà, on termine sur la protection de témoins du FBI et voilà c'est la fin du rêve américain, c'est les feds qui s'occupent de toi et qui quand tu demandes des macaronis, on te file des nouilles au ketchup, quoi. Donc, pour finir dans la vie d'un plouc. Et c'est super de finir là-dessus, quoi. Et puis, c'est... Ouais, là, c'est surtout que c'est ce qu'ils voulaient pas. C'est, ouais, en fait, exactement. C'est le trajet ouais. du personnage. C'est, depuis ouais. le début, je veux être quelqu'un. Voilà. Et en fait, j'ai pris un raccourci. Ouais. Parce que c'est ça qui se passe. C'est ça, ouais. C'est, je prends un raccourci. À 12 ans, je gagnais plus que tout le monde dans mon quartier. Ouais. Et ben, quand tu prends des raccourcis, tu prends des murs. Voilà, ouais. Ouais, donc est-ce que c'est un peu la morale du oui. réalisateur ? Alors à la fin, c'est ça, finalement Moi, c'est comme ça que je le vis, après. Est-ce que... Je suis pas dans la tête de Scorsese, est-ce ouais. que c'est ça qu'il veut dire ? Mais moi, l'impression que j'en ai... C'est pour ça que je trouve que limite, ça va pas assez loin. Ouais. Dans la critique du rêve américain, ouais, c'est ouais. que... Le propos que j'en reçois, moi, c'est « si tu prends des raccourcis, tu perds ». Ouais. Alors que ce que je pense moi, donc ça, c'est, je sais pas si Scorsese le perd, c'est que de toute façon, si tu veux jouer ce jeu-là, raccourci ou pas, tu vas perdre à la ouais, fin. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, vaut mieux vivre 5 ans comme un lion que 20 ans comme un... Enfin bon, ça après, ça appartient à je ceux qui pas, la ça. Vivent, ça, je ouais. sais pas, ouais. Ouais, je fantasme un peu de ça, peut-être que c'est carrément une connerie. Est-ce hein. que tu vis vraiment comme un lion tous ouais, les je jours sais pas, je sais pas. Moi, j'adore les nouilles au ketchup, donc il n'y a pas de problème, parce que ça ne serait pas un problème de finir. Non, je déconne. Bien sûr que si. C'est sûr que la descente serait dure, quoi. Mais ouais, il y a un peu ce truc de morale, mais après tout, on s'en fiche. Il raconte juste une époque, une fresque de l'Amérique, une certaine classe sociale et surtout une immigration, parce que c'est l'immigration américano-italienne, quoi. C'est ça, il parle de ça. On voit que des Italiens. Il n'y a pas d'outsider. Il y a un personnage, il y a Stax, en fait... qui est un outsider, et Henry Hill, qui est irlandais, je crois. Qui est... Italo-irlandais et ouais. Jimmy Conway qui est irlandais. Voilà, lui, voilà, c'est les deux qui sont
qui sont un peu en dehors du truc. Ouais, c'est des, c'est des hommes de main, quoi, mais ils feront jamais Bah partie c'est de la ça, grande table. ils sont, ça ne sera jamais la Ouais, famille. ouais. Et finalement, même quand c'est. Ouais, alors après, on peut comparer à d'autres films où, même quand c'est la grande famille, tu finis quand même trahi, quoi. Même dans Le Parrain, il y a Non, des. puisque celui qui fait partie de la famille, qui est Tommy, Ouais. puisqu'on peut, Ouais. il est complètement américain, we're Ouais. gonna make him, Ouais. made him, je sais plus comment ils le disent, Ouais. mais ils vont faire de lui un membre et tout, bah non, Ouais. ils butent en fait. Ouais. Oui, mais parce qu'il a fait une erreur. Peut-être que s'il l'avait C'est parce fait. qu'il a fait 10 000 erreurs, Voilà. il n'en a Et pas je pense fait que de qu'une. toute façon, il aurait. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est un peu un prétexte, mais. Ils sont fratricides quand même dans la mafia, c'est Oui, c'est ça. fratricide. Hein. Y a pas... Il suffit pas de simplement crever une bagnole ou non, non. Mais ouais, c'est qu'est-ce que c'est horrible quand ce personnage, et putain, on a... avec, ils ont tous, j'adore les costumes, ils ont tous ces cols, à... comment on appelle ça, j'appelle la tarte comme Ouais, on c'est ça. disait, putain, ils sont tous là, tous bien machin, ils ont tous des, ils sont très maniérés à la Sarkozy d'époque, ils sont, c'est incroyable. Pour regarder la montre, il y a 20 mouvements, enfin tu vois, c'est, j'adore quoi, c'est super bien. C'est super bien travaillé, la direction d'acteur du film, elle est, on y, tous les personnages, on y croit, hein, c'est Ouais. excellent. Hein. Il n'y a pas un personnage qui est too much, quoi. Et le casting est vraiment cool. Enfin, Ah vraiment. Bah, à part De Niro, qui est, on va dire, habituel chez Scorsese ouais. et dans tout ça, tous ils sont dans des rôles décalés. Ouais, oui. Alors là, tu vois, je te disais dans l'intro que j'avais peur de faire trop appel à mes références. Là, je Ouais, vais te dire des ouais. choses que j'ai apprises dans l'épisode Ouais. de Chroma de Ouais, mais Karine c'est Debbache. pas grave, Mais c'est c'est que vas-y. Paul Servino, donc, qui joue Paul Cicero, Ouais. c'est un acteur de drame à la base. C'est pas du tout un Ah mec de oui, gangster. Joe d'accord. Pesci, c'est un acteur de comédie. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu dans Maman, faut rattraper l'avion, des trucs Maman, j'ai comme raté ça. l'avion. Ouais, Ouais, voilà, bien sûr. ouais. C'est un des casseurs flotteurs. C'est ça, ouais. Puisque ce nom vient de là. C'est ça, oui, tout à fait, ouais. C'est un acteur de comédie et tout ça. Et en fait, ils sont tous En contre-emploi, comme en ça. décalage, comme ça. Et que Ray Liotta, qui à cette époque sortait de nulle part. Oui, Ray Liotta était pas grand-chose avant et Ouais. il n'a pas été grand-chose après, Non, non, finalement. c'est Mais ça, du ouais. coup, moi, Alors, c'est dommage pour lui, hein, je souhaite pas aux gens d'avoir des carrières de merde, Non. mais je trouve que c'est ça, en plus, même dans la mythologie des Oui. Affranchis, même 30 ans après, Ouais. que le trajet de ce personnage, de ce que j'ai envie de faire, ce que je veux dans la vie, être quelqu'un, compter, qu'on me respecte, monter, 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 et s'écraser, et en fait, Ouais. être juste un petite merde, À l'image de sa carrière, bah, quoi. finalement, Ouais. le fait que le point haut de la carrière de Ray Liotta, ce soit... Ce film. Je trouve que ça a de Ouais, la puissance, quoi. il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du mystique. Il y a un peu du mystique, quoi. Ça renforce le. Ouais. Et je pense que. Ouais, Scorsese a dû y penser quand il a vu. Il s'est dit, putain, finalement, j'ai raconté la vie d'Henry Hill ou de Ray Liotta dans mon film, finalement. Hein. C'est très juste, c'est très juste. Il y a ça aussi, Ben, je trouve que ça, c'est les petits hasards, ouais. Ah, hasards de la vie de Claire, mais qui, je trouve, renforcent ouais, encore le ouais, film. carrément, ouais. Ça le rend intouchable, le film, quoi. Il y a un truc assez. Ouais. Ça m'a redonné envie d'écouter beaucoup la BO. Là, j'avais adoré ces films, ces musiques 50s, tu sais, la 50s, 60s. Ouais, j'aime beaucoup tout ça. Bobby Darin et tout. Ça swing. Ouais, ça swing, ouais, putain, ouais. Et puis, il y a pas mal de rock aussi. En... Scorsese, il aime beaucoup le rock. Il y a vers le... Dès qu'on arrive vers milieu, fin du film, là, avant 80, ça rock pas mal, quoi. Ouais, mais c'est vraiment même ce changement de musique, c'est il y a un côté déclin, non pas déclin de qualité, mais dégénérescence. C'est-à-dire Ouais, que il est au sommet et je crois que la après. dernière chanson qu'on entend, parce que je crois qu'il n'y a plus de musique Ouais, une fois qu'il se fait non, arrêter, tout à fait, je crois que la dernière chanson qu'on entend, c'est du Led Zepp, hyper ouais. destroy, hyper. Exactement. Hyper, en fait, c'est de C'est la la fin du. Bah, dégénérescence même du son. Le son au c'est. début est très Oui. propre, très joyeux, très swing. Ouais. Et tout au long du Il se film, il se détériore. dégrade, Ouais. il y a Dans de le la sens dis, il y a de la rock. disto. T'as raison, ça se stoppe. Et après, c'est terne, quoi. On a même pas envie de voir la fin, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, on sait qu'il va se passer ça. L'autre, il est tout sueur de partout. C'est vachement bien fait, quoi, ça. Ouais. Même la lumière là-dessus est très très joyeuse, Ouais. Oh, très très c'est du joyeuse. rose. Tout le début Ouais. part vers le rouge, Ouais. donc avec quelque chose de terreur, de passion et tout ça, Ouais. de pas joyeux, mais de plein d'énergie. D'énergie, ouais. Les plans hyper rouges, hyper rouges. Et puis après, on passe sur un truc un peu désaturé, un peu moche. Ouais. Et la fin, juste le dernier plan là, sur les maisons et Ouais, on les retrouve devant pavillons sa porte, on similaires. dirait de la couleur de Desperate Housewives, quoi. Ouais, C'est c'est. vraiment. Ouais. C'est pas que c'est même pas désaturé, c'est juste morne. On dirait une mauvaise carte Ouais, postale. exactement, ouais, c'est ça.
Et puis tout est un peu, même les quelques plans d'avant, c'est un peu urbain quand on voit Jimmy qui visiblement deal des fringues maintenant, on ne sait plus trop ce qu'il fait. Tout est gris, tout est. Oui, il n'y a plus du tout l'ambiance cabaret du début ou l'ambiance un peu sépia jaune des années 50. Tu vois, c'est maîtrisé jusque-là. Le mec, c'est quand même un film ultra complet. Hein. Ça ne m'étonne pas que 20 ans, 30 ans, 50 ans après, on en parle et on en Bah, parlera. je sais pas si c'est le plus grand de Scorsese, mais quand tu penses que Je on sais parle d'un pas. des plus grands réalisateurs Ouais. du XXe siècle, si ce Ouais. n'est de tous les temps, Ouais. qu'il a 40 films ou 50 Ouais. films dans sa filmographie, et on parle d'un de ses deux ou trois meilleurs films, Bah moi je pense que c'est forcément c'est un des films de gangsters les c'est plus maîtrisé de voilà partout, dans le quoi. genre gangster, parce qu'après on peut préférer les infiltrés Oui, qui. c'est ça, mais après je parle de. Même techniquement, c'est un de ses Ouais, films. ouais, ouais. Alors, un, c'est Ouais. Casino, Ouais, les casinos, c'est un peu le même genre aussi, c'est hein. dément. Ouais. Mais parce que Les Infiltrés, moi j'adore ce film, Ouais. mais il est plus critiqué, il est plus. Ouais. Je veux dire, il est Ouais. moins considéré comme absolument maîtrisé de bout Non, en bout, tu ouais. Et vois. puis quand tu as vu Infernal Affair, qui est un film chinois, et que tu vois que c'est plan pour plan, moi j'ai trouvé que Bah, c'était c'est un petit peu. l'adaptation, oui, ça. Non, Les Infiltrés, j'ai une petite dent contre lui là-dessus. Mais oui, si on prend les trois films un peu de gangsters de cette époque. Il avait commencé avec Mean Ouais. Street, qui est un peu ce genre-là. Il y a De Niro, je crois, dans Ouais. 70 aussi. Mais c'est moins. Je C'est sais des plus petits si son truands. premier ou son deuxième Mean Street, mais c'est un de ses Ouais, tout je crois que premiers films. c'est. Ouais. Non, parce qu'il y avait Knock Knock at the Door, machin, qui est son premier un peu chelou. Et après Mean Street et après Taxi Drive. Ouais, non, avec Mean Street, c'est un des premiers. On voit qu'il est moins abouti que Les Affranchis, mais ça ressemble beaucoup, quoi. Ça ressemble beaucoup. Ouais, là, je pense que c'est le Graal de ce genre et qu'après, dans Les Infiltrés ou dans Casino, on parle un peu de cette ambiance-là, mais on va être moins. Il veut moins raconter la même histoire. Je pense qu'il a touché ce qu'il voulait avec Les Affranchis. C'est abouti. Tac! C'est de l'or, hop, on n'y touche plus. Et après, on peut encore parler un petit peu de la mafia, mais à travers autre chose, quoi. Casino, Bah, c'est autre chose. je pense que justement, là où je suis d'accord par rapport à la carrière de Scorsese, là où je te rejoins, c'est que Les Affranchis, c'est là où il règle aussi ses comptes avec le fantasme qu'il avait gamin de Exactement. rejoindre ces mecs-là et en même temps Ouais. C'est un film très de personnel. savoir que c'est pas. Ouais. En vrai, il fallait pas, mais. Voilà, ouais. D'où la morale de. Oui, donc C'est ça. effectivement, c'est un des films les plus Je pense personnels. qu'il règle ce truc-là de son Ouais, fantasme et ouais, que du ouais, coup, quand ouais. Je suis tout à fait d'accord. il va rechercher la mafia plus tard. Ouais. C'est un peu plus d'extérieur, Ouais. un peu plus d'un point de vue de cinéaste. Ouais. Les Infiltrés, c'est un peu ça. Ouais. C'est plus. Ouais. Oui, donc du coup, côté Infernal Affair, on est dans l'adaptation, voire l'hommage, voire le. Mais du coup, c'est plus technique, c'est plus. Oui. C'est moins une histoire personnelle. Ouais, Les Infiltrés, ça. C'est plus contemporain aussi. Oui. On est dans les années 2000, ça parle d'autres choses, quoi. Ouais. Ah bah Il n'y a pas le non. côté romantique de la mafia dans Les Infiltrés, par Ouais, dans mes exemple. souvenirs, c'est noir. Dans Les Infiltrés, c'est tous ces mecs-là, qu'ils soient flics, qu'ils soient mafieux, sont Ouais. des salopards. Ouais, ils bouffent tous dans le même truc. Tout ce monde-là te détruit. Ouais. Même en termes de lumière, c'est assez Ouais. gris, Il est noir le assez film. pâle. Ouais. Il n'y a pas tout le côté excitant là, t'as fait énormément d'effets, là. Ouais. Ah, moi, ça m'a fait beaucoup d'effet. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas le côté famille, quoi. En fait, je me souviens pas bien du film. Mais ouais, là, c'est vraiment. Et pour comparer un peu dans le genre, même Scarface, finalement, on n'a pas ce côté famille. C'est un. Non, tu l'as dans Le Parrain, mais pour le coup, c'est pas du tout Ouais. les mêmes. Non, Le non. Parrain, qui est un chef-d'œuvre aussi, hein, mais Ouais, c'est pas ouais. du tout le même point de vue. Non, effectivement. Ah, c'est. Ouais, Le Parrain, c'est plus cette famille italienne installée avant 40. C'est plus. Ouais, c'est des mafieux, plus. Pour reprendre le terme un peu faux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est plus aristocrate. Ils sont plus là, grande maison, Oui. tac-tac. Là, c'est pas pareil. On dirait des nouveaux riches qui ont apparu une seconde. Ils peuvent mourir au bout de 3 jours, ou au bout de 3 mois, ou de 3 ans, ou de 10, 30 ans. Mais on sent qu'il y a un côté éphémère. Dans le Parrain, c'est installé. Tu vois, c'est plus systémique. Puis il y a trois films sur 40 ans. Le parrain, c'est comment tu perds ton âme. C'est Ouais. un pacte avec le diable, c'est Ouais. comment tu deviens un tyran. Ouais. Là, moi, je le vois pas comme ça. C'est pas un pacte faustien, c'est plutôt comment tu t'aveugles dès le début sur la vie que tu fantasmes alors que elle va te détruire. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Non. Je pense que les Godfellas, c'est plus abordable. Je pense que c'est pour ça Oui. que jeune, j'ai été séduit. Parce que ça pimpe les paillettes, machin, et finalement, on va éteindre la bougie. Mais on te montre quand même la bougie au départ. Et je pense que c'est ce qui m'a séduit. Le Parrain, tu le vois jeune, il faut être un petit peu plus développé Oui, dans les. il est Tu un vois? peu plus, un peu plus intellectuel, pas Ouais. dans le sens intelligent, parce que Les Affranchis, c'est immensément intelligent, mais un peu plus cérébral. Voilà.
un peu plus lent, ouais, un peu plus... plus académique, il y a plus de mise en scène, c'est, voilà, c'est plus, ça parle vraiment, ouais, ouais. Donc, mais je suis très content de l'avoir revu parce que je change pas mon point de vue, tu vois, je trouve toujours ça très excellent, mais j'y ai vu des défauts, en fait, c'est long. Et c'est vrai qu'il y a des trucs on pourrait... Enfin, c'est peut-être que moi, dans ma tête, je sais pas, quand tout à l'heure tu parlais de ça, je me suis dit, moi, j'aurais bien enlevé 20 minutes de trucs, quoi. Il y a des petits trucs qui me... Et en fait, je me trompe peut-être parce que ça participe à la narration, que ça soit étiré comme ça. Pour le coup, tout ce que moi, je dis, quand je dis c'est en trop, c'est pas en trop dans le sens il faut l'enlever. Ouais. Je dis c'est en trop dans le sens c'est superflu par rapport à de la structure narrative de passer de cette étape à cette étape à cette étape à cette étape. Bah, pour le coup, les étapes entre guillemets de structure narrative, elles sont marquées à chaque fois par un arrêt sur image. Elles sont très claires. On sait passé de... C'est une bonne école de cinéma. Évidemment. Du petit gamin à ça y est, je suis un peu dedans, ça y est, je suis un caïd, ça y est, je suis un grand monsieur, tout le monde me respecte. Et ça y est, je glisse. Et puis, celui qu'on voit tout au début en flash-forward, de l'ouverture du coffre ça quand le Billy Bats là quand ils vont enterrer Billy Bats ben là c'est le début de la fin putain c'est astucieux il te le met là En termes de pour le coup c'est là où très séquencier en fait finalement il y a un côté académique roman photo exactement finalement c'est très académique aussi quoi on te montre vraiment tout le je pense que pour étudier le cinéma c'est un très bon film quoi avec des gens c'est-à-dire en parlant ou avec des gens qui ont étudié, en l'étudiant. Moi, je trouve que c'est... Il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs. Et moi, j'ai l'impression... Je te dis, je l'ai vu il y a 4 mois. J'ai l'impression de toujours pas pouvoir tout te dire de ce qu'il y a d'intéressant dedans. Tellement il y a des choses... C'est la magie de ce film. Ben, c'est ça. Et c'est tant mieux. Ouais. Mais moi, j'aurais tendance à dire, commencez par des films moins forts. Ouais. Où vous comprenez tout et vous faites, ah ok, c'est pour ça que c'est intelligent. Ouais. Et une fois que t'as 15 ans de maîtrise derrière toi, Alors ça veut pas dire, le regarde jamais. Regarde-le dès le début. Mais va t'attaquer Memento, à étudier. Va t'attaquer à étudier Les Affranchis quand t'as un peu de bouteille. Ça peut te séduire au départ et après t'y reviens, quoi. Je pense que c'est ça le trajet que j'ai fait, moi. C'est être séduit et puis y retourner plus tard. Mais tu vois, je pense que le fait que tu l'avais pas vu depuis longtemps et que moi je l'ai vu relativement récemment. Ouais. Il y a un truc qui a changé dans la façon dont on a visionné le film. C'est que toi, tu avais ce côté très excitation. Ouais. Alors un que peu moi, naïf, vu qu'il est très récent dans ma tête, de revoir tout ce début théoriquement réjouissant, je vois tout ce qui va pas dedans. Pas techniquement, mais en termes d'histoire, en termes de à quel point ces mecs sont des fous. Ouais. Typiquement, toi, tu dis, on traîne tous ensemble, on partait en vacances ensemble, on voyait jamais quelqu'un de l'extérieur. Tu fais, ah, c'est cool, c'est la famille. Là, c'est la première fois que j'y pense de ce film-là. Ouais. Mais au moment où elle dit cette phrase, Karen, je me disais, mais c'est une secte, en fait. Oui. En fait, c'est une secte. Mais la mafia fonctionne dans... Ouais, bien sûr. Mais elle peut exister par ce fonctionnement-là. Elle est obligée d'être un peu hermétique, la mafia, parce que sinon, si tu as trop d'extérieur, ça fuite, ça bave. Et en même temps, ils sont 200 000. Ouais, mais pas tant que ça, en fait. Au bout d'un moment, tu comprends un peu que c'est juste qu'il y a des mecs qui changent tout le temps de pouf. Mais sinon, tu comprends qu'elle, c'est la daronne, elle a tel enfant. Et ils sont pas 200. Ils sont 200. C'est juste qu'à la fin, ils sont moins parce qu'on en a buté la moitié. Ouais. Et qu'il y en a qui sont quand même au placard. Il y a quand même pas mal de placards, quoi. Mais il y a un côté secte, bien sûr. Il le retranscrit très bien, Scorsese. Et tu vois, le côté secte, je l'ai vu aussi dans la scène après que Henri et Karen se soient disputés parce qu'Henri, il a une maîtresse et tout. Ouais. Quand Polly, donc le parrain, retrouve. Il lui dit il faut que tu te réconcilies. Retrouve, il dit écoute, je vais te dire ce qui va se passer. Ouais. Toi, tu vas faire ça, bon, tu pars, machin. Et puis surtout, il dit à Karen, je sais comment lui dire. Ouais. Surtout, elle, je sais exactement comment dire. Ouais. Et il y avait vraiment un côté. Tentaculaire de Master of the Puppets. Ouais, c'est ça. Marionnettiste. Ouais, et puis nous, on divorce pas parce qu'on veut pas qu'elle. Tu vois, on n'est pas des animaux et on veut pas que ça bave autour. Il y a aussi on fait semblant de s'aimer, quoi. Faut faire semblant. Et puis, partir en vacances, en fait, la scène juste après, c'est il marave un mec dans une caisse. Mais ça aussi, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et t'as raison, effectivement, cette scène avec Polly qui vient pour dire, en gros, tu vas faire un petit contrat pour moi. Et en revenant, tu seras réconcilié avec ta femme. Ça illustre très bien ça, effectivement, cette mainmise. Et elle l'accepte totalement, en fait. Hein, elle essaye pas de sortir. Oui, c'est un film qui est sur une femme qui essaye de sortir... de cet univers sectaire, pas du tout. Elle l'épouse, elle est ok.
Ouais, et puis c'est juste qu'elle a un peu du mal avec ses amants à lui, mais Oui, mais bon, tous les gangsters ont des amants, c'est comme ça, quoi. En fait, c'est en même temps, c'est le jeu aussi. Ils sont tous hyper jaloux, hyper possessifs. Mais comme tu dis, en vrai, je suis même pas sûr. Alors, pas pour ces personnages-là, mais je suis même pas sûr que le principe, c'est fondamentalement à l'intérieur de soi, on est jaloux. On est censé être jaloux dans cette Ouais, c'est situation. la Va posture. falloir qu'on réagisse, C'est la quoi. posture. Ouais. Mais c'est que de Comme, l'image. C'est que de l'image. c'est ça. Comme, bah, il m'insulte, je peux pas rester là sans rien dire. Que j'en ai quelque chose à foutre ou pas, c'est pas la Voilà, question. exactement, exactement. Parce que c'était quand même juste un verre, quoi. Le mec, il m'a juste pas apporté de verre, je lui ai tiré une balle dans les pattes. Très, très drôle. Mais c'est une posture, parce qu'au début, tu sais, il se fait insulter, et t'as De Niro qui lui dit, tu vas te laisser, alors qu'il aurait pu très bien, bah non, il le plombe. C'est quand même. Bon, moi, c'était ma scène phare quand j'étais gosse avec les potes, on adorait ce truc. Parce que... Et c'est un film très drôle aussi, on le dit pas, Oui, mais c'est drôle. il est très marrant, mais il Parodie est... mille et une fois dans le monde, Oui. pour le Funny How, effectivement, très connu le Funny How, mais ou pour le dans les pieds de Spider, tu vas danser pour moi, mais c'est très drôle, quoi. Peut-être parce que nous, spectateurs, on a du mal à prendre ça au sérieux quand même, quoi. Non, je sais pas. Est-ce qu'il vient de là Bah... le comique? Non, moi je pense que c'est vraiment pulp, c'est-à-dire, en fait, ça devrait être terrifiant, mais vu que c'est rose bonbon... La seule réa manière saine qu'on a de réagir à ça, c'est de se marrer. C'est de se marier, ouais, c'est de prendre pas ça au premier degré, quoi. Ouais, c'est là-dessus que c'est charmant, en fait, hein. Ouais, c'est ça, C'est c'est que tellement c'est... violent que c'est charmant, quoi. Mais je te dis, là, en l'ayant vu il y a récemment, et donc en ayant très bien la descente aux enfers et à quel point tous, c'est des grands malades, dans la tête, bah, dès le début, tu le vois, en fait. C'est des psychopathes. Et à la rigueur, Tommy, donc Joe Pesci, c'est évident, effectivement, dès la première scène... Ou dès la première scène, on le voit, il joue sur le fait de, comme tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Funny how, qu'est-ce que tu crois que je suis marrant? Mais ouais, je suis pas lent, qu'est-ce qu'il y a de putain de pas lent, machin, bah, avec Voilà. l'énergie de Joe Pesci et tout ça. Ouais. Et donc, déjà à ce moment-là, on joue sur le fait qu'en fait, il va péter un câble. Donc, déjà, moi, je trouve ça La tension, tu sens que ça monte, hein. hyper bien parce qu'on te fait retomber cette tension-là en mode ah non, en fait, il déconne. Et en Et en fait, non, fait, non, il est comme ça, ce gars-là va le faire 3-4 fois dans le film. C'est ça qui est... C'est super bien écrit, cette scène, ouais. Mais ouais, il y a un truc de... Et je pense que l'humour, c'est souvent garder 3-4 secondes de plus Oui, sur un plan. l'effet comique marche sur les Et là, c'est 3-4 tout le temps cinq ça, quoi. secondes. Oui, c'est ça. Ouais, sont c'est Et des là, c'est, ouais. c'est tout le temps ça. C'est pour te rendre compte de l'absurdité du Ouais, truc. ouais. On te met 2-3 secondes de Exactement, plus. ouais. Non, c'est sûr qu'il l'a monté aussi lui-même, quoi. C'est alors... C'est Bah, pas il a Scorsese qui a son... monté, c'est sa monteuse Oui, Bit, qui est qui très l'a connu, suivi. là. J'ai plus son nom, mais Oui, mais qui je l'a veux suivi dire, pendant 30 ans. il Et a eu oui. ses yeux. Il y a eu ses yeux au montage. Oui, puis quand tu fais et toutes les transitions sont maîtrisées, machin, Tout c'est est... le Voilà. montage, il est prévu au découpage déjà. Je suis pas sûr qu'il y ait eu, comment dire, je suis pas sûr qu'il y ait eu De une l'impro, demi-heure de ouais. scène coupée en plus de oh Non, non, finalement, on ne je met pense que pas. c'est très très écrit. C'est un film qui est tourné, monté, comme on dit, quoi. C'est sûr que c'est ça, ouais. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis sur les 3-4, parce que sur l'humour, c'est compliqué de parler de l'humour, c'est impalpable, et pourtant, il y a quand même des règles techniques pour créer l'effet. Mais c'est notamment ces 3-4 cinq secondes-là. C'est là que tu tires 3-4 secondes d'un plan. Quand tu fais du montage, tu t'en rends compte de ça. Tu fais les 3-4 secondes de plus. Tiens, ça marche pas. Mais 5 secondes là, ah oh, putain, si, ça, il y a un truc, je peux pas t'expliquer, ça marche. Et c'est très vrai, ça. Et notamment avec les scènes avec Pecci, ça marche là-dessus vachement. Il y a des secondes qui vont tout changer, quoi. Mais alors que Ray Liotta est jamais marrant. Non, Je trouve qu'il assiste toujours aux trucs qui nous font rien. Mais il est jamais... Non, Enfin... non, il est jamais à l'initiative de. Non, c'est pas lui qui a l'initiative. C'est Pecci, c'est De Niro. Non, lui, il exécute et. Nous, on est un peu lui, quoi. Quand Pecci, il pète un câble, on est Ray Liotta, on se dit, putain, bon, je vais soutenir, c'est mon pote. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On le bute, le mec, là, parce que, tu vois, et c'est ce qui se passe tout le temps. C'est-à-dire que le coup de Billy Bat, c'est quand même ça, quoi. C'est que l'autre, il est à chaud, on l'insulte encore de cireur de pompe. C'est génial. Je trouve ça super bien, oui. Oui, il y a ce côté, on est accompagné par Henry Hill et on est témoin de ce qu'il est témoin plus que de sa vie à lui. Ouais, exactement. Notamment avec cette scène du repas chez la mère de Tommy, justement après qu'ils aient tué Billy Bat, Oui, il est où mais muet. qu'est-ce qu'il y a, tu parles pas, machin. Et en fait, jusqu'à cette réflexion-là de la mère et un nouveau plan sur Henry Hill, sur Ray Liotta, ça fait 5 minutes qu'on l'a pas vu Et c'est vrai qu'il parle. On se rend et en compte, fait, nous, que. on avait oublié qu'il était Voilà, là, presque. exactement.
Ouais, c'est l'autre qui fait toute l'animation avec son histoire de daim et de sabots. Ouais. Mais oui, c'est. Ouais. Et donc, c'est sa maman. C'est sa Oui, maman. c'est la maman de Scorsese, C'est quand ce même que tu très me disais drôle de pendant le dire film. ça. Très drôle. Alors elle, le jeu, il est nickel, on y croit carrément, quoi. Bon, il y a juste un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on est à table en train de bouffer des macaronis à je sais pas quelle heure du soir ou du jour, et que elle sort une peinture de la table. Tiens, chérie, j'ai fait une peinture. Oui, bien sûr, oui. Il s'avère que la pâte. Enfin Un bref. chien vers l'est, un chien Oui. vers l'ouest, évidemment. N'importe quoi. Je n'ai pas compris cette Oui, phrase. non, Je c'est n'ai pas. Et dans la foulée, tiens, maman, vraiment. je peux te prendre ce couteau pour le. Ouais, Je le me suis truc, il est vraiment comme dit, mais ça. pourquoi ils ont écrit cette phrase? Alors ça, pour le coup, est-ce que c'est ils ont trouvé ce tableau, ils ont trouvé ça Ça se trouve, marrant? c'est de l'impro. Oui, ça doit être. Ça se trouve, c'est de l'impro. Ça ressemble à une connerie. Hein. Ouais. Mais vraiment, mais La blague pourquoi du mec qui lui qui a ressemble devrait être pensé à vraie. ça? Mais oui, c'est. Puis le tableau est moche comme tout. Enfin, c'est très drôle comme truc. Je crois qu'elle était aussi dans Main Street, sa mère. J'ai Ah, un je, ça, flash je m'en con. souviens pas. Je sais plus, mais. Mais Ouais, c'est la ministre, je ne l'ai pas vu depuis ouais, il longtemps. est. Après, les aff... moi, je trouve que c'est comme les Affranchis ont beaucoup moins abouti, quoi. Dans la continuité, tu fais Mean Streep et les Affranchis. Donc, c'est moins. Mais bon, c'est intéressant de par le côté. C'est un gros guillemet, mais le côté plus amateur de... Tu sens qu'il y a moins de budget et tout ça, il y a un truc. Ouais. Oui, puis c'est intéressant parce qu'un mec comme Scorsese, qui a 50 ans de carrière maintenant, il retrace pas l'histoire du cinéma en entier, mais juste Ouais. regarder sa filmographie, déjà, ça nous. Ouais. C'est déjà un cours d'histoire de cinéma, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et notamment parce qu'il arrive à faire des films encore. Alors, j'ai pas vu The Irishman, donc j'ai pas vu le dernier, mais encore hyper moderne. Ouais, c'est très long. Tu verras, c'est très long. C'est intéressant que tu. En plus, c'est un film. Bon, après, c'est de la politique, mais tu vois, c'était monté pour Netflix, enfin, diffusé pour Netflix parce que trop long et tout ça, mais. Ouais, il a essayé de se remettre un peu dans l'univers des affranchis avec celui-ci. Mais il y a un côté où, vu qu'on est aussi dans une fresque historique dans ce film, il vieillit numériquement les persos. Et bon, c'est personnel, mais ça marche pas, ça. Moi, je suis un peu old school, j'aime bien le maquillage, les effets spéciaux, carton pâte à l'ancienne, j'aime bien tout ça. Et là, de voir De Niro, des trucs qui fait qu'on sait plus s'il a 60, 40, c'est un peu bizarre de tricher avec du. Ouais, mais tu. Alors, moi, je suis assez pareil sur les CGI bizarres, surtout sur les rajeunissements. Ils Ouais, arrêtez le CGI, les sont gars. souvent perturbants. Ouais. Mais tu vois, là, en vrai, quand on nous dit que Henry, il a 21 ans et que c'est déjà la gueule d'Henri Oui. Lyotard, on s'est marrés tous les Et deux, qu'il y a hein, des parce que cicatrices t'es là, le partout. mec a 39 ans, au moins, visuellement, sinon plus. Il y a Et au milieu, 21, oui, ouais, bien il a sûr. 20 ans. Non, personne n'y Ouais, croit. non, mais c'est dingue, mais oui, Ben, les Américains, ils étaient dans leur production, c'est souvent un peu. Là, c'est très exagéré, mais même dans leur production de séries actuelles, c'est toujours pareil. On prend des acteurs très jeunes pour. Moi, je pensais, je regardais récemment Euphoria. Dans Euphoria, t'as des acteurs qui sont tous censés avoir 18 ans. Non, c'est des adultes, c'est des jeunes adultes, ça se voit. Voilà quoi. Mais bon, c'est les Américains, ils font comme ça quoi. Ils prennent pas. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est leur truc. Je pense que doit y avoir plusieurs. Déjà, le côté faux percé, donc le temps de monter à Hollywood, d'être un peu connu, Ah machin, il y a un peu de oui, ça. carrière, tu veux dire, Ouais, le ouais. côté carrière des acteurs et tout ça. Et puis, il doit y avoir des règles de production en fait, ici, il a moins de 21 ans, faut qu'il travaille, il shoote C'est qu'ils moins sont d'heures par politiques, oui, jour c'est des trucs comme ça, et machin. Et puis, on peut pas le montrer avec une scène, avec une bière, ouais, parce que sinon, voilà, c'est oui, Arrested ou machin. c'est leur Je suis loi des sûr que 21 ans c'est chez eux qui bloque tout, très politique. mais oui, c'est sûrement ça. Non, mais on fait abstraction de tout ça, mais c'est vrai que c'était dans Les Affranchis, c'était un peu gros le côté j'ai 21 ans, j'ai ma Cadillac. Non, 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 ça ne marche pas, c'est pas vrai. Bah, tu vois, pour rebondir sur ce qu'on disait sur les quelques secondes en plus qui font l'effet comique. Ouais. Et tu vois, alors moi je conseille deux choses. Sur YouTube, une des dernières vidéos du Fossoyeur de films sur les Zaz, sur les réalisateurs les Zaz, Ouais. où ils parlent de ça, D'accord. et une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos, Ok. qui essaye d'étudier la comédie dans les films. Et ils D'accord. vont parler de ça, ils vont pas parler que de ça, mais ils Ok. vont parler de ça. En D'accord. bonus, les mecs de Calmos, alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle, mais ils ont fait un truc qui me plie en deux, qui est Ouais. un podcast qui s'appelle Le Syndrome de Chambord, et en gros, c'est genre, on écrit un film, mais en parlant. Et ils se disent, ah tiens, mais s'il se passait ça, et se passait ça, et se passait ça. Et en plus, leur idée est débile et absurde, mais à crever de rire. Donc Ouais. voilà, ça c'est un petit bonus. Les mecs de D'accord. Calmos, ils ont un très bon podcast. Ok, j'irai voir ça. Bah, ça me fait penser à Shemina ou Simina, c'est une chaîne YouTube, mais un mec parle de l'humour.
en 40 minutes avec un ton très sérieux. Donc du coup, ça crée le troisième degré, quoi. Et il parle de ce dont on parle toi et moi, là, de comment fabriquer l'humour avec ses secondes en plus et machin. Mais il parle aussi de l'écriture et c'est super bien, je t'enverrai le machin. Ouais, c'est la théorie de l'humour, quoi, tu vois. Et évidemment, il va parler de The Office et tout, qui sont des maîtres mais dans en l'art. Fait, c'est de... cinéma avec un S, oui. C comme science, oui, oui, c'est ça. Alors avant, il parlait d'effets spéciaux. Et ouais, c'est de là, il parle de comment marche l'humour de The Office. Ouais, oui, c'est ça. Enfin, il parlait pas que de The Office, dans... il parle de la gêne et tout ça en général, non? Il parle bah pas après, d'humour avec un grand. En fait, c'est plutôt l'inverse. Il part de The Office. Ah oui. Et il élargit un peu. Ah voilà, il c'est parle ça. Vraiment de ouais, comment marche l'humour dans The Office. Ouais, je l'ai vu il y a quelques temps, j'ai zappé, mais. Ouais, tu connais alors. Et ça, je trouvais ça super bien. Ce mec était bien, ouais. Bah, moi, je suis très fan de ce qu'il a fait avant. Hein, ouais. Des trucs très. Oui, bah, j'ai tout regardé du coup. La science du cinéma, de comment tu. L'effet turbulence dans l'eau et tout ça. C'est très intéressant. Ça, c'est cool. Ouais, il est bien, bien renseigné ce gars. Je sais pas s'il fait toujours des trucs, mais enfin, qu'importe. Bien. It was out of respect, comme ils disent. Hein. Putain, quelle idée de faire péter des cardiaques. Mais tu vois, j'ai l'impression. Et là, je regarde le temps. Ça fait quand même plus ou moins 40 minutes qu'on parle. Donc, finalement, c'est pas. C'est bien, c'est bien. C'est pas si court. Et j'ai l'impression qu'on n'a rien dit sur les affranchis. Ouais. Mais je pense que, tu vois, la pression dont on parlait au début. Ouais. Je pense qu'il y a tellement de choses. C'est dur de s'attaquer. Il y a tellement de choses dans ce film. Il y a tellement de trucs. Puis on le découvre pas tous les deux. Donc, du coup, on a peut-être. Oui, bien sûr. Mais je trouve qu'il a un côté impressionnant, ce film. Ouais, il est impressionnant, ouais. Un mastodonte, un peu. Hein. Ouais. Ouais. Et d'autant plus quand, un peu comme nous, tu. T'as un petit coin de ta tête qui dit bah, moi j'aimerais bien faire du cinéma. Ouais. Il paraît, je sais pas. Je sais pas de quoi il parle, mais il paraît. Oui, effectivement, j'ai le même sentiment que toi, j'ai l'impression qu'on n'a pas non plus. On en a quand même parlé, hein, Léo, ouais, bien mais. Sûr. Ouais. Non, mais je trouve ça intéressant, c'est pour dire à quel point il est riche. Oui. C'est pour dire oui. à quel point il y a mille choses dedans. Ouais. Tu vois, on n'a pas parlé du tout des mouvements, de l'utilisation. Enfin, on en a parlé vite fait sur deux scènes. Ouais, l'utilisation du travelling dans le film, elle est constante et elle change tout le temps d'emploi. Ouais. Mais, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend des travelling, mais on les change un tout petit peu en mise en scène, mais ils racontent à chaque fois un truc nouveau. Ouais. Enfin, voilà. Il y a des jump cuts un peu aussi. Hein. Ouais, il y a un peu de jump cuts. Bah, il y a un côté très nouvelle vague, très Godard. C'est bizarre, ça, venant de... Il y a une dizaine de jump cuts. Ouais, de cette époque, de ce réa, de ce film. Et il y a le regard caméra. Et il y a cette scène du tribunal. Ah ouais, à la fin. Où Liotta, il regarde caméra, il commence à parler à la caméra, il se lève et tout. Ouais. Et donc, pour le coup, moi, je vois les deux comme du Godard. Ouais. Enfin, et à la toute fin, il parle aussi à la cam, aussi, je vais finir dans un poudin. Ouais, on casse le quatrième mur. Effectivement, il y a un côté nouvelle vague française. Mais pourquoi? Je sais pas, mais... Je sais pas si ça a quelque chose à voir avec le sujet du film. Après, c'est peut-être juste de la technique. Il a toujours été un grand admirateur de la nouvelle vague. Théoricien, ouais, effectivement, c'est peut-être juste... oui, ça sert peut-être pas le propos... C'est juste pour... Les jump cuts, moi, je trouve qu'ils sont assez pertinents parce qu'ils mettent toujours le malaise qu'il faut, le bug qu'il faut. Ouais. Non, moi, je parlais du fast cam qui est Mais le fast cam, effectivement, je le justifie moins. Ouais, c'est peut-être pour vous dire, bah voilà, vous regardez un compte. Mais on le sait, finalement, qu'on regarde un compte parce qu'il y a une voix off, donc c'est dès le départ. Donc, c'est peut-être juste un petit plaisir personnel ou un hommage. Mais les jump cuts où, tu sais, on change des degrés un tout petit peu, là. Quand il coupe sa blanche et qu'il regarde par la fenêtre l'hélicoptère vers la fin... On a un plan là, tac, on voit qu'il leur filmait de tac là. Bon, ça rajoute à la pression. Ça, c'est super bien. Rajoute au malaise. Ouais. Et c'est assez original parce qu'on le voit pas. Oui, il y en a. Celui-là, c'est le plus visible du film. Ouais. Il y en a beaucoup au début. Dès le début, quand on présente les personnages, et notamment pour quand on nous montre des mecs, on nous les présente comme ah, c'est ça, c'est machin, il est super sympathique et tout ça. Et pour nous montrer qu'ils sont un peu dérangés, il y a un jump cut sur il y a un petit mouvement mal calé. C'est vrai. Peut-être que dans l'aspect du conte dont tu parles, donc du fait on compte, c'est presque un bug du narrateur. C'est-à-dire, moi je vous le compte comme je m'en souviens et donc ils sont enjolivés. Et en fait là on voit que. Alors, c'était pas le cas à l'époque parce que c'était pas les ordinateurs, mais moi il y a presque un côté jeu vidéo de ça a bugué. Tu l'as mal raconté parce que. Il y a un truc qui est pas juste. Attends, je vais reprendre les rênes du récit, je vais te raconter un. Il y a un décalage entre ce que... Pour te montrer que, entre ce que dit le narrateur et ce qui s'est vraiment passé, il y a un décalage bizarre, donc les cuts sont pas propres. Quoi. C'est un peu pour... Ouais, tu veux démonter l'histoire, là, un peu. Ce qu'on nous raconte, ce n'est pas aussi rose. Ouais, mais enfin, ça va dans l'analyse qu'on a. Non, c'est, en fait, c'est le propos du récit. C'est le propos du récit, ouais. Il y a sûrement de ça, hein. C'est sûrement... Bon, globalement...
Scorsese est un génie, il faut voir tous ses films. Ouais. Et puis c'est marrant. C'est, voilà, il faut voir tout ça. Il faut... Et si on aime un peu l'attente et des films qu'on ne refera pas, c'est Taxi Driver, quoi. Ouais. Moi, je trouve que Taxi Driver, il est presque emmerdant parce qu'il y a de l'enjeu dramatique, mais il vient tardivement. C'est un film de palme. Il y a un fleuve comme ça, il y a De Niro qui, pour le coup, là, doit vraiment avoir 27 ou 28 ans, pour le coup. Le taxi, enfin, il y a plein de trucs qui sont iconiques aujourd'hui, en fait, de Taxi Driver, mais c'est plus chiant quand même. Hein. Moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, c'est un peu plus... Voilà, c'est peut-être un film pour... Non, ce serait con de dire que c'est un film pour rafler une palme, c'est pas ça du tout. Non, je pense qu'il a quand même voulu raconter ces personnages qui rentrent du Vietnam et qui s'emmerdent et qui, voilà, il parle d'une Amérique hein, quand même, il raconte une histoire. Mais ouais, moi je le préfère quand il raconte avec plein de personnages. Voilà, je préfère les films, ces films chorales, ces casinos. Ah ouais, Casino, il est exceptionnel. Ouais, Casino, il est aussi très long. Oui, il est très très long. Ouais, je crois qu'il approche les 3 heures. Ouais. Et le personnage est moins glorifié que dans Les Affranchis. C'est-à-dire que je crois que De Niro dans Casino est tout de suite un mec qui tient à Las Vegas une boîte. On sait qu'il ne sera jamais dans le truc. Il gravite autour, en fait. C'est un typhon, le gars, mais il n'est jamais dans le truc, quoi. Ouais. Ah, je viens de me rappeler d'un truc dont je voulais te parler sur Les Affranchis. Oui. La structure du Rise and Fall est assez classique, vu et revu, même si là, elle est maîtrisée à mort et tout. Ouais. Mais un truc dont je me suis rendu compte, c'est que à partir du... de 45 minutes de film, en fait, il a déjà tout ce qu'il voulait. Bon, alors après, il va le perdre. Ouais. Mais du coup, théoriquement, il n'y a plus d'enjeu. À part chaque scène, l'autre, il a buté un gars, donc il faut qu'on évite et tout le machin. Et je suis là, mais c'est marrant, c'est fou qu'on ne s'emmerde pas alors qu'il n'y a plus... On n'attend plus rien. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, vers la fin... du scénario, tu veux dire, scénaristiquement. Ouais, ouais. Et vers la fin, je me suis rendu compte, en fait, on ne s'emmerde pas parce qu'on attend un truc très précis, qui est quand est-ce qu'ils vont se faire buter et comment ils vont y échapper. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'ils vont échapper à mourir tout ça. Ouais. Et donc, en fait, très tôt dans le film, donc il y a quasiment 2 heures de film, où le seul enjeu, c'est on sait qu'ils vont finir par se faire buter. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, on a peur pour eux. Ouais, on attend leur fin. Et je trouve ça fou de tenir sans m'ennuyer une seconde avec un personnage qui a déjà eu ce qu'il voulait. Quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que y a ce... Pourquoi on s'emmerde pas? Bah parce qu'en fait, on n'est pas que avec Henri, en fait. On est attaché à tous les autres et on a envie que Joe Pesci, il se passe des... On a envie de tout ça aussi, quoi. Donc, on n'est pas que sur lui, quoi. Ah, c'est marrant parce que moi, par exemple, Joe Pesci, j'ai pas envie de rien. Ce mec est fou. Ah ouais, ah, moi, j'adore. Dans ma tête, je me dis, mais débarrassez-vous de ce mec. Pourquoi vous faites ami avec lui? Ah, mais parce que toi, t'es comme la mafia, tu veux te débarrasser de... Moi, j'adore le côté bulldozer de ce bonhomme, quoi. Au contraire. Quand Henri fait pas trop de vagues et qu'il m'ennuie un peu, j'ai envie d'avoir un petit peu les pétards. Oui, après, il est divertissant. Ouais. C'est moi, c'est mon côté divertissant que je kiffe dans ce... C'est ça que j'aime. Si t'as ce mec-là dans ta vie, il y a de la place pour l'inattendu. Ouais. Et la classe de tout, je pense qu'on attend aussi. On aime ces retrouvailles, les petits coups qu'ils font. Même s'il est au sommet, il y a encore le coup du Lufthansa qui va arriver où ils vont piquer des millions. Comment ils vont être encore plus stylés? Comment ils vont être encore... quel genre de blague ils vont encore se dire? Je pense qu'on attend encore de leur complicité tout le temps. C'est un film qui parle aussi de complicité, de... Même si c'est pas des potes, c'est des collègues de travail, mais il y a une vraie fraternité entre trois. Et on aime le trio. Je pense qu'on a envie, plus que d'Henry Hills, on a envie de souvent... Moi, j'ai très souvent envie de voir le trio. Je comprends. Ouais. Et les petits parasites autour. Qui voilà, je repense au dernier plan qui est juste après que Henri ait dit « je suis plus qu'un plouc de merde ». Ouais. On a un plan face cam de Joe Pesci qui tue. Ouais, ouais, ouais. Et je suis en fait je me suis demandé, je me souviens peut-être pas tellement cette fois-ci, mais la fois d'avant, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ouais. Je me disais « pourquoi ce plan ?» Oui, c'est parce que c'est sa mort à lui, à Henri. Ouais. Ouais, c'est fait, d'être rien, il se fait... c'est pire que de s'être fait buter. Il se fait tuer, ouais, ouais, exactement. Au final, les autres, c'est encore des légendes. Mmh. Ouais. Joe Pesci, c'est une vraie légende là-dedans. Ouais. Et lui? Ouais. À lui, encore moins que tous les autres, quoi. Il est même pas au placard, tu vois. Mais il est super, ce plan de fin. Il est très surprenant, quoi. Il y a Henri qui te regarde face cam, on a du bam 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 et on revient sur on termine pas par Joe Pesci, on revient par Henri Hills, je crois. Ouais. Donc ça appuie ce que tu dis. Effectivement, c'est lui qu'on tue, c'est pas le spectateur, quoi. C'est lui qu'on tue doublement. Ouais. On le tue doublement, quoi.
C'est super stylé, quoi. Mais je me souviens, ça c'est autre chose, mais je me souviens qu'à l'école, on avait étudié, enfin on avait parlé de ce plan parce que c'était un vieux western du début du siècle, oui, tu sais. Oui, c'est une référence à. Je me souviens plus, mais c'était un vieux film, ouais. Je me souviens. Et Scorsese, là-dessus, montre aussi je suis un homme très cinéphile, très cultivé. Oui. Il montre aussi ça, quoi. Il sait qu'il fait du cinéma, il te dit je fais du cinéma, oui, aussi. C'est vrai. Oui, et puis il y a ce plan où, au moment de regarder, on s'est dit c'est un western. C'est le plan, la première fois où on voit Henri l'adulte, ouais, qui part de ses shoes de luxe, ouais, ouais, et qui remonte sur son costard incroyable. Ouais. Et c'est vraiment un plan de western, ouais, qui est normalement de la valeur de on te montre les bottes du cowboy tout et on fait remonte jusqu'à, ouais, ses hanches et son holster, et, ouais, on finit sur son regard. Et finalement, c'est un hors-la-loi. Et c'est un plan de western. Ouais, c'est le. Mais en fait, c'est un peu l'équivalent. Hein, pour moderne. Les années 80 et les années 90, le film de gangster, c'est un peu l'équivalent du western des années 50-60. Ouais. C'est un peu de comment on interroge le rêve américain. Ouais, exactement. Et effectivement, là où il n'y a plus de terre à conquérir, ouais, là où le rêve il n'est plus dans le land, il est dans l'argent. Exactement. C'est-à-dire que les gangsters, c'est ceux qui vont conquérir le pognon. Le blé, quoi. Ouais. Et toujours actuellement, quoi. On est toujours sur ce truc-là. Il n'y a plus de terre, désolé, à aller. Mais ouais, c'est une très belle vision de la chose, ouais. J'adhère totalement. Non, je suis très content d'avoir revu ce film. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait le penser autrement. Ouais. Tu vois, d'en parler avec toi, ça m'a fait le voir autrement. J'ai envie de le partager à nouveau autour de moi, ouais, tu vois. Me dire, si, les gars, je vous assure, c'est bien. Regardez-le. Et puis, en fait, on nage quand même dans un univers qui est kiffant, quoi. Voilà, ça me fait flotter dans un univers noir, mais un petit peu pulp, tu disais ça tout à l'heure. Il y a un peu de tout ça mélangé, j'aime bien, quoi. Ouais. Bon, la différence, c'est que chez nous, on distribue pas des dollars. C'est plus stylé, les billets verts. Mais voilà. Non, j'ai fait le tour sur le film, ouais. Je suis très... Voilà, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Pierre, d'être venu. C'était très chouette. Chers auditeurs, on se retrouve, vous, dans quelques secondes, moi, dans quelques jours, pour la séquence post-générique de cette émission. Et sur ce... Ciao Pierre. Ciao. La scène post-générique. Dans cette pastille de fin, je reviens quelques jours après l'enregistrement sur l'épisode et sur le film, pour vous parler de comment ils ont grandi en moi, comment ils ont évolué dans mon esprit. Alors exceptionnellement, je vais pas vraiment préciser ma pensée ou essayer de trouver un autre angle qu'on n'aurait pas abordé dans la discussion, mais j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. La première, c'est que je trouve qu'encore plus que d'habitude, l'ambiance de la discussion que j'ai eue avec Pierre colle parfaitement au film. Elle était un peu plus fouillie, un peu plus énergique, mais un peu plus drôle aussi que les épisodes précédents. Les Affranchis, c'est une montagne, c'est un rock, c'est un cap, enfin, bref. Je dis déjà beaucoup dans l'épisode, mais il y a tellement de choses à dire et à voir qu'en une heure, j'ai l'impression qu'on a à peine effleuré la surface du film. Parce qu'on s'amuse et qu'on ne sait jamais vraiment où donner de la tête, tellement il y a des détails partout, dans chaque plan. Moi, j'ai déjà vu Les Affranchis une demi-douzaine de fois, là on a enregistré il y a 5 jours le podcast, et je sais toujours pas dire quoi que ce soit d'un petit peu définitif sur Les Affranchis, à part que c'est un chef-d'œuvre, que c'est un monument du cinéma et qu'il faut le voir absolument. Sur ce coup-là, je pense que vous m'avez pas attendu, et du coup je vais faire un petit écart, et plutôt que d'approfondir, je vais vous conseiller un film. Un film que j'aime beaucoup, qui est aussi l'œuvre d'un très grand cinéaste, qui s'appelle Paul Thomas Anderson, et qui, si vous aimez Les Affranchis, vous parlera beaucoup. Que ce soit au niveau du rapport au rêve américain et le Rise of Fall qui va avec, ou que ce soit par le plaisir qu'on a de se replonger dans une époque ou de regarder une bande de copains se débattre avec conviction dans un monde beaucoup trop grand pour eux. Ce film s'appelle Boogie Night. Ça parle là aussi d'un ambitieux qui veut absolument devenir quelqu'un et qui se plonge dans une carrière d'acteur porno. L'époque, c'est la fin des années 70, le début des années 80. C'est jouissif, c'est très drôle, parfois un peu triste. Et là aussi, on vous racontera la montée fulgurante et la descente aux enfers d'un personnage. Voilà, je vous laisse avec cette petite recommandation. Regardez Boogie Nights, c'est exceptionnel. Et puis évidemment, regardez tous les films de Scorsese. Je remercie encore une fois Pierre d'avoir accepté mon invitation et d'avoir injecté un peu de sa folie et de sa gouaille dans ce podcast. Et vous de m'avoir prêté vos oreilles pendant une bonne heure. Je sors un épisode tous les 15 du mois. Entre-temps, si vous voulez avoir des nouvelles du podcast ou connaître à l'avance le film du prochain épisode, vous pouvez me suivre sur Instagram, La Séance est Levée, tout attaché. À bientôt!